parce que vous voyez que la conférence nationale est aussi pilotée en grande partie par l'opposition. Mais c'est curieux que comme la Morène va les aller citer peu. L'île est morte, et les pauvres à honorer un mandataire, la carte de la commission, il y a le bien mal acquis. Ça fait 10 ans qu'il est vivant, on a toujours demandé, et que s'il y a quelque chose dans ce sens-là, parce que peut-être le livre après pour le banon, il était mort quand il a réussi, Noana, alors les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. La carte de la rapport, on a compris la ça c'est un. De deux. Ce qui est encore curieux, parce qu'on n'a pas tout compris à Terminator. On a pas tout demandé merci pour ça. Terminator, mais la face de la commission, il y a assassinat. À aucun endroit, papa Marcel, je vous prie de me croire, en tant qu'intellectuel, aux gens à Dieu, à Bokende, à Kinshasa, pour le cas. N'a pas rapport, la conférence nationale de commission assassinat. On commande à aucun endroit. N'a pas la commission assassinat pour honorer une bande de l'État. C'est curieux pour quelqu'un qu'on appelle le Terminator. Ça fait 10 ans, je dis bien 10 ans, qu'honorer une bande n'est plus l'un des responsables de la gestion de l'Angoka. Ça fait 10 ans qu'il y a l'exil. Ce qui n'ont dit pas, c'est la qualité de Banda pour intenter une action en justice et contre lié. Mais aujourd'hui, 10 ans après, il n'y a toujours pas un seul témoin. Et nous, après la crise, nous avons dit que nous avons dit que la juridiction morte et que la France a été au Liban. Vous trouvez ça normal pour quelqu'un qu'on appelle Terminator? Alors, si la politique n'a pas la vie sous, donc vous parlez à vous, sur ma réunion, sur ma conduite, je dis, mais pour le temps que je fasse ma vie, alors là, on se laisse aller dans le piège de la Longuna. Pourquoi je dis ça? Pas pour les disculper, parce que les responsabilités n'avaient comme acteur politique dans le régime de Mobutu qui a échoué globalement à Ribondi dans la côté. Mais certaines choses qu'on accuse personnellement, on est en droit au moins d'exiger un minimum de la preuve. Et il n'y a pas de preuve. C'est comme la papa Marcel. Mais écoutez, là, je parle de ce bar. C'est là que nous disons que, au moins, pour nous faire dans le panneau, n'a raconté la vie de l'homme. Non, je ne suis pas en train de vouloir raconter yon vie à moto, vie à moto, vie à moto. Le Congo est plus grand que la vie des hommes. Au moins, il a expliqué yon quelle est la valeur ajoutée que. Le combat politique qui a connu la ligne. Mais ce qu'il faut que pour répondre à ce type de questions, je veux bien répondre à ces questions. Dans le but la conférence nationale souveraine. Vous avez dit que la conférence nationale souveraine a représenté dans l'histoire la Bocaradiso. Vous comprenez tout à fait comment la commission Wana est dans la bien mal acquis. Et voilà, l'assassinat, à aucun endroit le nom de Honoré Mandezali cité. Vous ne trouvez pas ça curieux, quand même. Au sommet, c'est pour vous dire tout simplement que, aujourd'hui, notre peuple a tout à l'avenir. Nous sommes tous des hommes. Nous pouvons avoir ici et là quelques imperfections dans notre manière de nous conduire face à la bande de Konabiso, face à Makambo de Kokikotala. Mais je retourne tout Nabaï, nous avons dit que vous avez vous savez, quel est ma bande de le petit passé permettre de faire une grosse Nabaï, je m'excuse énormément. Aujourd'hui, à ma tête, parce que moi, j'ai toujours le maraboute, tout ça pour l'Indako, pour Kovitian à l'Olympe, et pas l'Olympe, mais je vais vous dire,
Pendant le long assis, il y a apparu comme un ministre de la Bino, ma rapport, il y a carte mondiale. Parce que le ministre de la Bino, par rapport au Bino, il a dit, il est placé par le secret à Bokini. Vous croyez que tous les rassemblements honorés dans la Rana Yango, à d'autres Yango, il a opéré. Mais le Bino, pour avoir commettre à la connaissance, il a fait que la Bino, le fait c'est qu'il y a eu la tête et les attitudes de moi, on a beaucoup de développement. À Zali, vous croyez que Zali, à voir qui a encore opéré. Il met ce maigre moyen au service, il y a une révélation, nous sommes déjà à un moment. Mes frères, lorsque quelqu'un a dit pour investir un maigre moyen pour mettre la situation de devoir pour dépasser dans l'Est, à la minute du prêt à la coopérative, exactement ce qui se passe. Et même avant que l'on puisse se passer, avant qu'on prévenir le peuple, il serait de 2 semaines, 1 mois, 3 mois à l'avance. Vous croyez que ce n'est pas de l'argent tout ça? Mais non. Écoutez, la question haute de la Rango est de passer la banque que les gens peuvent engager. Et donc, la question, c'est la vie des hommes, la vie de 60 millions d'habitants, papa Marcel. Je vais arrêter là, peut-être qu'on a d'autres questions. Mais je suis là pour répondre à toutes les questions. Mais seulement, en tant qu'acteur politique, je suis dans l'air d'avis que chaque minute, je voudrais en mettre à mort au profit. Il y a délivrance, il y a peuple, il y a Zaïre, il y a Congo. Il ne faudra pas que tout le monde s'apprête des temps pour parler de la tête des gens, de la forme de la bouche des gens, de parler de la forme de la bateau et la bateau. Non, nous voulons parler plutôt de ce qui intéresse notre peuple qui souffre aujourd'hui. Au second, je ne dis pas que tout le monde, je n'appelle pas tout le monde à applaudir les combats d'Honoré Banda et les combats de la Tareko. Ce n'est pas mon rôle. Le souci qui est le mien, c'est-à-dire que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qu'on reconnaisse au moins qu'il est l'un des rares hommes politiques zaïrois qui, non seulement reconnaît responsabilité dans la gestion, il y a Régime, il y a Mobutu qui a échoué, mais il propose ni service ni rien pour que d'autres habitants qui souffrent aujourd'hui et recouvrer liberté dans Yango, et recouvrer dignité dans Yango. Voilà pourquoi je dis que nous fassions attention. Je ne m'adresse pas spécialement à Lyon, mais parce que l'émission est limite, dis-nous tout, dis-moi tout. Mais je suis de dire ce que je pense. Parce que maintenant, nous passons plus de temps pour essayer de parler de M. Honoré Banda. Moi, je le dis, je ne peux que parler à sa faveur, peut-être parce que la route en a hier longtemps. Mais que les auditeurs, on est au Pagani pour la Gaviso. On est au Pagani l'histoire de la Pocaraviso. Va considérer la vie de cet homme-là pendant ces 10 dernières années. Quelle est la vie de cet homme? Quelle est la vie que cet homme mène? Autrement, parce que ceux qui avaient forme tous les autres hommes politiques, ils qui vont travailler avec Mobutu, ils ne seraient pas ici, ils vont en train de s'attaquer aux Rwandais. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu sont avec les Rwandais aujourd'hui. Les autres sont avec les Ougandais aujourd'hui. Les autres sont au régime de l'Elo. Au second, parce qu'on continue, qu'on même dit ça l'Elo. On n'en parle pas beaucoup de ces gens-là. Mais on parle d'un monsieur qui a accepté la couleur de l'exil, mais a dit que je peux prendre ce risque-là pour être du côté de mon peuple qui a souffert. L'homme qui se dit qu'il faut camader, mais l'homme a donc été pour précipiter tout ce qu'on va faire, les enfers étaient avec les Batouana, va pour camader l'homme. Dans la discothèque du peuple pour que tout s'attaque dans Batouana, et l'homme va faire que les peuples soient récupérés pour camader dans Batouana. Cet homme-là, franchement, vous pouvez lui faire le procès de l'honnêteté. Vous pouvez faire à cet homme-là le procès de la sincérité. Bien sûr qu'il est sincère. Bien sûr qu'il est honnête. Bien sûr qu'il n'a pas voulu simplement parler, il a écrit pour même les générations futures. Très peu d'hommes politiques d'ailleurs sont capables de faire ce que M. Honoré Banda fait. Très peu, je vous le dis. Et je le dis parce que je le pense. Ceci n'a dit ça, ce n'est pas tout simplement de faire la publicité d'un homme. Ceci n'a dit ça, il a comporté trop les valeurs qui incarnent les combats pour les droits à la communauté. Dans la classe politique zaïroise.
dans la classe politique congolaise. Est-ce que tout ensemble, pour occuper à un certain moment donné, pour enterrer la hache de guerre Nabisso, pour qu'on se tienne la main dans la main, plutôt que chaque fois de regarder dans le passé, parce que parfois le passé n'est toujours pas glorieux. Mais il ne faut pas corriger le passé en essayant de finir dans le présent aujourd'hui pour préparer l'avenir. Pourquoi chaque fois nous regardons le passé, non pas pour s'inspirer de ce que nous avons fait du mal pour la préparer. Non, nous regardons le passé pour rester au passé. Non, on n'aurait pas d'appel le pari du futur. Il a fait le pari du futur avec les patriotes congolais. Et tout ensemble, ce qui se passe ici en gros, n'a pas pu nous sauver de ce qu'on a l'air. C'est le macron de débat sérieux, capable de dire, il y a beaucoup de temps pour la faute à la vie, pour le moulin, on n'a pas pu les aller. C'est vrai que l'autre m'a dit, et ça l'est maquis. Vous avez cité la Bible, mais quelque part la Bible dit, est-ce qu'elle entend sans se relever? Parce qu'hier, nous sommes tombés à l'époque de Carawana, pour la tombée de Caramato Tirana, toujours par terre. Nous ne pouvons pas dire non, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi pour éviter les misères? On n'aurait pas essayé de nous dire, est-ce que c'est aussi pour les matins? Ce qui est curieux, c'est que celui qui s'élève pour demander à ses frères de se lever, il se fait attaquer comme plus jamais quelqu'un n'a été attaqué comme ça. Donc, non, Déco, ma sœur, je suis très content que vous me posiez toutes les questions et aux hommes, là, je suis tout à fait à l'aise de répondre aux questions. Je n'ai pas la langue de bois. Ceux qui me connaissent pas, c'est que j'ai toujours dit clairement les choses, vraiment comme je les pense. Ce qui n'a pas lieu, c'est que nous devons jusqu'à la braquer vers le passé. Parce que si le passé des amis glorieux sont, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons s'inspirer dans l'erreur et à l'autre, pour nous organiser aujourd'hui dans le présent afin de préparer un avenir meilleur. Merci papa Makolo Kotambola. J'ai comme l'impression que là vous commencez maintenant à vous répéter. Na oyo obandaki koloba parce que nous Congolais, je crois vous avez dit que vous êtes chargé de la mobilisation, propagande, etc. Je crois que ça doit être dans votre rôle de pouvoir maintenant chercher à conscientiser. Si vous avez vraiment bien fait votre travail, je crois que ces genres de questions n'allaient pas être posées parce que les gens auront déjà cru que Papa Nguanda s'était déjà repenti et que sa repentance était vraiment réelle et sincère. Donc cette question valait bien la peine et si Koyo Tozaro continue à avoir émission Nabisso, dis-moi tout et nous allons tout dire dans cette émission et poser toutes les questions na représentant et à Apareko, Papa Makolo Kotambola, tout ça pour continuer dans l'émission Nabisso. Nazako Pesadilo, bah, et pas y a Papa Franck.